Yo les petits potes, c'est Rookie. Aujourd'hui, petite vidéo sur la Larkman 556 qui a été buff en début de saison 4, avec laquelle j'avais fait mon record de kills sur Rebirth Island qui était de 25 kills. J'avais eu un super bon feeling. J'ai voulu la retester. Alors, honnêtement, j'avais eu un feeling extraordinaire quand j'avais fait ma 25 kills. Le feeling, pour être tout transparent avec vous, était un peu moins bon. Cependant, je l'ai joué sur Vandal. Et Vandal, parfois, il y a des endroits où c'est vraiment des combats à longue distance, quasiment comme sur Urzikstan. Et donc, du coup, je pense que c'est une arme qui peut être terrible sur Rebirth Island ou Fortune Skip. En revanche, sur Vandal, c'est peut-être un peu limite. Mais en tout cas, voilà la classe setup que j'ai utilisée, hein. Poignée lourde de soutane Bruin pour tout ce qui est contrôle du recul, le canon Rap Larkman 15,9 pouces qui pour moi est le meilleur puisque ça permet la portée dégâts, la vitesse des balles et le contrôle du recul. 60 balles, même si j'étais en solo, j'ai pris de 60 balles parce que les balles partent assez vite. Et la saison dernière, j'avais utilisé le Corio Eagles 2,5. Là, cette fois-ci, j'ai utilisé le lunette Jack sans verre pour tout ce qui est contrôle du recul visuel, ou plutôt recul visuel quasiment inexistant avec cette lunette. Et enfin, ça peut expliquer aussi pourquoi j'avais peut-être un moins bon feeling. J'ai pas utilisé le compensateur réducteur de Flash M35, mais plutôt le silencieux Sonic pour avoir un maximum de vitesse de balle. Elle reste quand même très correcte comme arme et elle m'a pas déçu. Juste, voilà, un petit feeling un peu moins impressionnant que la première fois, mais un feeling quand même toujours très correct. Voilà, profitez bien du gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.